tableau. D'abord, nous pouvons intervenir tranquillement pour expliquer au collectif premier féminin qui était ça, qui se combat, mais qui est important, mais c'est important que je vois bien au-delà, qui roule la presse dans sa combat. Premier ministre. Deuxième, nous passons la parole à la gouvernement, c'est pour la nécessité de se regrouper. Après quand nous avons trois demandes à charge d'intervenir dans la France. Et pour intervenir en tant que responsable du collectif des victimes de nature personnelle. Et finalement, pour les candidats, intervenir sur ce qu'on appelle le fameux président. Ok. Donc pour commencer, premier volet, collectif, premier février. Qui est-il? Un certain important, nous avons compris le contexte. Le premier du monde. Actuellement, depuis le début de l'année, il y a une quantité de manifestations, de protestations. Il y a des écrits, il y a des gilets, il y a des médecins qui peuvent décrier. Ensuite de ça, si nous remontons un petit peu dans les passés, il y a un problème de la place, accaparement de la place, il y a un problème de jet-ski, etc. Et là, mon parent demande des cas, un scandale, comment il le veut, comment Big Point, comment Boscalis, comment Newtown, comment Gigi, etc. Mais tout ça, il nous a fait du commun dedans. Il y a une absence d'écoute, il y a un abandon. Mais moi, j'ai une question spéciale pour moi qui a abandonné, notamment dans le pauvre. Mon papa, en fait, dans l'année, si vous dites un jeune, et dans qu'est-ce que c'est ce petit monde qui est dans la pauvreté absolue, dans qu'est-ce que c'est 126 000 qui est dans la pauvreté relative. Moi, j'ai posé de tous les bancs pour la liste, je disais lié à ça, je disais lié à ça, ça lié là, ça lié là, donc là, vous pouvez me supposer. Je vais vous organiser, c'est un document qui me fait par ICGN, l'Institut Patrimonial de l'Angélo, et APD Carmen. Donc, un document que vous connaissez et que vous pouvez s'apporter, que vous me donnez une quantité de détails, que vous pouvez utiliser, qui n'est pas capable de le faire. Ça, depuis moi, je suis soumis au président de la République en décembre 2012. Selon mon information, ce document a beaucoup évolué dans un tiroir. D'accord? Et là, je vais vous donner une petite phrase rapidement. Et moi, j'ai besoin de capter ça bien. Il n'en a pas partie du monde pauvre dans sa pénurie. Et c'est de l'enfer des pauvres qui étaient parmi les riches. Nous avons besoin de rappeler ça. Même au-delà de ce travail journalistique. Mon congé vous dit qu'il y a une manifestation, une protestation. Mais ça fait un petit peu ça de ce côté. Si vous êtes sur le côté, un petit moment, mais ça fait ce côté. Et dans ce contexte-là, l'observatoire de la démocratie, c'est dire que ça fait un petit peu ce côté, mais tout est mieux de tout ensemble. Joindre dans l'espace commun, peut-être à ce moment de parole que vous puissiez entendre. Donc, observatoire de la démocratie, initiez un mouvement qui peut déboucher le 1er février, parce qu'il nous avait tous un collectif, d'ailleurs, vous faites partie de la table, là, vous ne pensez pas 45, plus 24 individuels, où chaque monde-là a le droit à la parole, dit-vous les couilles, et dit-vous qu'il y avait un problème inécouté, et qu'il y avait un problème résoudre votre problème. Je te disais au début, moi, tu me déposes la presse également, tout ce scandale qui nous fait. Qui nous a proposé dans son intervention, bien souvent nous mettons ça dans la presse. La presse est extrêmement démocratique, extrêmement importante. On a même dit que nous avons comme ça, mais que nous, pour l'Institut journaliste. Donc si vous êtes comme ça pour faire, mais moi j'ai envie de citer un petit pour eux, à la part d'un, le chef de l'économie, pas qui dit ça, il est important pour le journalisme. Avec son influence immense et directe sur l'opinion publique, le journaliste ne peut pas uniquement obéir à des forces commandées par l'économie, la recherche du profit ou l'intérêt particulier. C'est qu'il veut dire, par exemple, en exemple, vous décidez à l'Express ou à l'Ever, ou les films, vous êtes normalement, vous êtes accompli, vous êtes capable de. Mais au-delà, ça vous permet de capter une mission. Même un journal de quartier comme en France, en même temps, vous êtes un agenda, mais au-delà de cet agenda, vous êtes une mission sacrée. Et ça vous doit continuer de faire comme il vient. Il doit au contraire, le journaliste, être assumé comme une mission. On peut en un sens qualifier de sacré, accompli en ayant pleinement conscience que les puissants moyens de communication dont vous disposez, vous ont été confiés pour servir le bien général. Pas par là, ça c'est très important, et qui fait partie de la chaîne de cause, c'est ça qui est du coup qui m'a mis au fond. C'est ça, vous êtes un petit avec plaisir. Et là, moi, j'ai besoin de quelque chose. Vous dites, personnellement, vous pensez que le gouvernement est docteur à demain. Ce n'est pas pour vous. La ville de ce n'est pas comme ça. La ville de ce n'est pas comme je veux. Non, pas un pays démocratique. Mais tout ce qui est découvert pour lui, nous approfondissons sa démocratie. Et là, nous faisons un signe qui est beaucoup possible. La dysfonctionnement de cette institution qui inquiète nous.
Et ce même dysfonctionnement d'institution grave dans la Russie, elle dit qu'on la lutte contre l'abandon plus difficile. La lutte contre l'abandon plus difficile. C'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement vigilants. Vigilance désarmée, d'abord les citoyens, d'où le collectif au 1er février, mais également vigilance de la presse. C'est un défi extraordinaire, un défi de l'inconscient. On ne peut pas perdre de combien, un peu moins de plaisir. Voilà l'introduction que je fais dans quel contexte vous pouvez inscrire. Et là, monsieur, on va passer la parole à Alain Bertrand. Alain Bertrand va être présenté, l'homme de tous les combats, et consultant la nécessité de se recouvrir. Alain, on passe par la parole. Merci Emmanuel, et merci pour cette transition-là, parce que j'aime beaucoup la démocratie dans laquelle nous vivons dans l'Ouest. Et vous pensez qu'il y a un devoir du citoyen au sein de la démocratie, prendre la parole, saisir le cadre du Nina, pour qu'il y ait un sauvé, une incrimination, une réclamation sur la place publique, et faire y entendre de toutes les manières, soit légales et incontournables. Et dans un contexte élogieux. Le besoin de se retrouver actuellement par rapport à une situation de frustration, à un sentiment de frustration globale, générale, que les membres du public, que le citoyen européen est en train de ressentir actuellement. Les derniers événements, notamment le cas ERV, le cas sur ERV, rappellent-nous justement qu'il y a une frustration tellement. Mais gonfler à l'intérieur du citoyen européen qui tout petit prétexte, tout malheur, tout erreur capable venir de la part du gouvernement et de l'autorité, capable de transformer en une explosion sur le plan social. La nécessité du regroupement, il vit là. C'est-à-dire qu'il nous fait induire plusieurs groupes citoyens qui n'ont pas de récrimination, qui n'ont pas de réclamation. Par rapport à cette situation en tant qu'un collectif, mais aussi en tant qu'individuel, ça vous permet de en fait, créer une espèce de plateforme libre que je vous capable de expliquer ce cas, invite, dis-nous, on va dire, comprend dans qui a été justement cette frustration, certaines personnes étaient en Maurice. Le besoin de se retrouver, il vient justement de mon Emmanuel Mouzierier de Vito, du fait que nous pouvons vivre un moment, un période que nous devons trouver qui n'a pas de manifestation tempestive, du plus utile à la plus importante, à plusieurs considérations dans la même, par exemple, la lutte contre le charbon, mais là aussi la lutte contre la code d'identité. Qui va nous suivre dans le bon morceau, qui est actuellement en cours suprême, mais il y a aussi le cas de ce qu'on a oublié. Il y a aussi le cas de, par exemple, comme un planteur tabac, qui quelquefois nous pensait qu'on ne faisait pas de tiroir en disant que l'on est pendant un peu et tout. Il arrive l'air qui nous réconforte, nous, sans exclusion, sans exclure qui que ce soit. Au-delà de la chose politique, je pense qu'il est important qu'il nous puisse mettre le même plateforme, une plateforme libre, une plateforme ouverte, qui nous capable d'exprimer, tirer sa manifestation, nous visons une victoire, nous visons un endroit que nous sommes capables de faire tout ça, virulent, et nous gagner quelque part. Et moi, pour hier, pour nous faire société, pour avoir des mots au collectif. Mettre en place justement un fonds qui est là, l'ambition justement, non pas d'aplanir, non pas de résoudre des problèmes, mais de faire entendre ceux qui sont dans le monde et de faire parler ceux qui n'ont pas la possibilité de parler, de communiquer à travers les tableaux traditionnels. Encore une fois, merci à Emmanuel d'avoir souligné l'importance de la presse des jours.
journalisme, je considérais comme un contre-pouvoir. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas s'en plaindre. Et nous, ça contente, tu vas dire, ça vole là. Tu prends une lutte géométrique, une lutte de dimension par rapport à ce que le peuple peut demander actuellement, c'est-à-dire un changement, pas dans la logique, mais un changement dans la douceur, une transition vers une lutte de police, une lutte de qualité de démocratie, une lutte de république, une lutte de constitution, parce qu'après 45 ans, le peuple fort, dans le seul sens. Et le désir de regroupement qu'il a, il dans sa tout ça désir de changement et de renouveau. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà. Je suis pour ce désir, pour moi, la nécessité de la presse, la nécessité de ce regroupement. De la presse, tiens, moi, je t'arrête très simplement. Je suis aussi votre extrêmement intéressant, tout simplement, c'est bon. Les autres professeurs, c'est votre pouvoir. Bien informé, les hommes sont des citoyens. Et mal informé, les hommes sont des sujets. Ce n'est pas extrêmement important. Au-delà de ça, quand on pose le point, il y a un marché collectif qui est un problème. Mais également un cas individuel qui est un problème. Quand un individuel est un problème, et là, je tiens à comprendre que j'étais tout intervenant. Je suis un camarade, qui commence à poser un camarade, excusez-moi, et qui commence à poser, qui nous atteindrait de l'enfant avec le soutien de Jean-Pierre. Il est capable d'y être rendu. Mais au-delà de ça, il y a un certain engagement du monde, il n'a pas respecté. Moi, quand c'est la personne vivée, qui est responsable en collectif, pas victime et pas individuelle. Qui vous guérit, ou un petit monde d'assister, ou un groupe d'assister.
C'est ce qu'il dit. Il a rassemblé toute la semaine individuelle, et voilà qui peut gagner un rassemblement le 1er février, et vous donner une identification à sa rassemblement du 1er février, d'appeler le collectif 1er février, et au niveau du sol, il fait faire le même jour qui commémore l'abolition de l'esclavage. Sa collectif 1er février-là, il a une responsabilité. Réussi en 2014, c'est rassembler deux groupes du monde, ceux qui ont un problème et ceux qui soutiennent un groupe qui a un problème. Il demande donc deux du monde qui ont un problème ou qui ont envie de soutenir un groupe qui a un problème. Le 1er février, c'est l'occasion de venir parce que la parole, il faut avec tout du monde. C'est-à-dire beaucoup du monde qui vient voir la parole ce jour-là et en même temps, s'il prend une place donnée, le champ d'activité, d'exposition, qui vont entretenir la journée de 10h à 6h40. Mon deuxième intervention concerne what next? Qu'est-ce qui se passerait après le 1er février? Et après le 1er février, il y a le 12 mars. Il est important que le 12 mars, nous essayons d'évoquer quelque chose pour le 1er février, avec un thème nouvelle constitution de la République, le 12 mars. Est-ce qu'il nous faisait une collectif plus fort ou est-ce qu'il faut une collectif qui a reçu la responsabilité de plus fort? Et puis dans le groupe d'Indy qui est venu, probablement, il faisait élargir le rassemblement de la plateau d'accès au bassin, dévoile la question des relations travaillées avec l'Indy, et que tout bâtiment qui couvre là le 1er février, qui couvre là le plus fort, qui dit là, le 1er mai l'année dernière, autour de cet ensemble, pour essayer de donner un nouveau push-up à l'action politique, syndicale, associative dans le pays. Maintenant, ce qui est intéressant, bon, ce qui est intéressant pour que tu vois, pas de politiciens, pas de la gata, etc., c'est que tous ces thèmes qui ont un problème dans le tourisme, pendant deux ans, ils font l'enquête. Il fait l'enquête, il fait du monde, il a visité, nous connaissons comment nous disent les doigts, ben, le problème qui est une société cachée. Parce qu'effectivement, une société a deux cases, un visage que nous trouvons au bâtiment, dans la route, pour dépenser, etc. Et puis, il y a un visage qu'on va trouver, qui est un visage caché, ou qui est un visage qui n'est pas beau à voir. Et d'ailleurs, dans certains endroits, l'autorité n'est pas de base, pas de l'endroit là, pour que les touristes pas trouvent. Mais la semaine prochaine, mardi, l'Observatoire de la démocratie était une conférence de presse, probablement avec le collectif comité privé, que nous voulons un opuscule de 72 pages qui aborde tous les problèmes du pays. Comme on dit, tous les problèmes, c'est véritablement tous les problèmes. Que ce soit un problème qui touche l'ensemble de la société, que ce soit un problème qui touche un groupe de la société, une catégorie sociale, que ce soit un problème qui touche Balaise. Pour Balaise, il dit cependant, je vais avec tout, parce qu'il nous a gagné l'assentiment de Balaise, il dit, du milieu de Capote. Il a beaucoup de Capote, il dit, Balaise, il pas souhaité, qui est ramené. Et ce document-là, il faut servir pour animer. L'opinion publique, l'obat de problème d'abandonnement, l'obat de problème d'accaparement, et sans doute aussi par l'activité qui peut venir après, parce qu'il va venir le 4 juillet, le 4 février, la Croix Camarade pouvait faire la guerre de la fin, le petit défini fait la guerre de la fin, là, je lui dis tout à table, attendre sa solidarité du 1er février, au Plaza, et attendre qu'il ne peut pas rester touché dans la tente, je suis capable, gain, mal soutien du monde. Donc, je vais faire un appel à l'ensemble de la population. Il n'y a pas d'exclusion. Ça, organiser sa souveraineté, il va appartenir à quiconque. Uniquement organisé par un collectif qui peut tenir beaucoup d'organisations. Venez tous. Il y a une différence entre la charité et le partage. Vous pensez que les Mauriciens ont un grand sens de la charité. On va toujours quel policier qui va dire, il peut être pour vous citer pour faire de la charité.
mais la presque totalité des professeurs ne sont pas dans le portage. Ça vaut le portage, ça ne peut pas connaître. Absolument pas. Beaucoup de professeurs, il y a beaucoup de compassion. Dans l'église, dans la maison, dans le temps, le ménage est conduit extraordinaire par rapport à la barrière religieuse, mais une fois que le peut bousquer le temps de l'église et le monde dans la vie de tous les jours, mais qui nous trouvait toute la violence, toute la faute, toute la corruption, tout l'abandonnement, tous les péchés de la terre le pratiquent. Alors vous n'êtes pas que du schizophrénie. Le 1er février, c'est aussi une occasion pour unifier nos personnalités. C'est-à-dire que c'est une haine. Haine avec nous-mêmes. Parce que si l'humanisme disparaît, si l'humanité disparaît, l'humain disparaît avec. Alors, qui peut du monde dit Plaza, le 1er février, apporter du ministère jusqu'à ce que